Rebonjour à tous et à toutes. Alors, je remets le micro. Dans le bon sens, hein. Enfin, je sais pas s'il y a un sens, mais c'est pas grave, voilà. Donc, c'est parti pour la suite, en fait, de l'acte 2, hein. La zone industrielle. Parce que si vous avez suivi, je me suis fait fracasser la gueule. Et je suis mort, donc on va redémarrer. Il n'y a plus de balles. Bon, ça, j'aimerais avoir des balles, j'avoue que pistolet lourd. Pas de balles? Oh putain, ils font chier. Bon, on va faire ça casser la gueule, hein. Je sais pas quoi compris, les autres, ils étaient super balèzes, résistants. Bon, on va voir ce que ça donne. Le voilà! Oh, super. J'avance vers l'ennemi avec le fusil à pompe! Enfoiré! Tu veux qu'on en parle? Identité confirmée! Je commence doucement à comprendre, mais c'est pas encore ça les boutons, je l'avoue. Putain, il fait chier à remettre... Ah, il n'y a plus personne ? Ah si, ils sont là-haut. Il n'y en a plus. Cool. Bon, ouais, c'est pas si dur que ça quand tu fais attention.
Ok, bon, on va monter. C'est plus personne. Et comment on monte? Ah putain, ils sont encore là. Ils sont résistants, ces connards. Pause. Ça va toujours là-bas? Ouais. Vous savez où je dois aller maintenant? Toujours, toujours. Bonjour. Squad Gatehouse parlait d'activer des mesures de sécurité pour verrouiller une porte au deuxième étage. C'est un début. Merci. Plus de balles. Bon, faut que j'aille. Ce putain de bouton, il est où? Hey Jack. Quoi? Madame à la voix rauque de la radio n'arrive pas à joindre les Squad Gatehouse, on dirait. Bah évidemment, elle est tous tués. Ne vous enflammez pas trop vite. Vous vous souvenez des soldats là? Ouais. Apparemment, ils ont l'intention de vous dire bonjour aussi. Mais ils sont remontés. Alors faites attention. Oh putain. Ils surveillent une sorte d'opération de collecte de particules chrono. Je sais pas trop ce que c'est, mais je vais m'en renseigner. Je vous tiens au courant.
faut monter en fait. Ok. On peut pas courir, c'est chiant ça. Ah, c'est là. Ok. On dirait une sortie. Comment je fais pour l'ouvrir? Je suppose qu'ils vont arriver, ils vont les défoncer. Trop simple. Il n'y a personne pour m'en empêcher. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je suis con, j'ai marché sur un... Oh, j'y étais 30 secondes. On est obligé de faire le même ordre, c'est chiant ça. J'ai compris. Non? Ah ben voilà. Hey, je viens de désactiver la sécurité. Jack, il se dirige vers vous. Joyce a liquidé les squads Delta House et il court toujours. Mais à quoi on vous paie au juste, hein? Charlie, dis-moi où il est. Le mot magique. Charlie, répète. Entrepôt B4. Et puis j'ai vu. Delta House 1. Vous avez entendu? En avant. On y va. Oh putain. Est-ce qu'on les voit venir? Non. Je peux être assez vite, je pense. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est là le. Ah, il va falloir monter. Voilà, ok. Non? Ok, et maintenant la bagarre. Tirez sur la cible. C'est comme ça qu'on les a, ceux-là, on dirait.
munitions, s'il vous plaît. Je n'ai plus de balles. Oh, tu peux passer par là, hein, t'abuses. Hein. Ah, ça y est, c'est ouvert. On peut pas courir. Ah bah voilà, c'est eux qui ont ouvert en fait. Fermé ? Non. C'est parti. Putain, tous ces hommes. Qu'il avait le truc lui. Donc c'est à lui qu'il faut que je tue en premier. Ok. Détruisez le contenant chrono en tirant plusieurs balles. Monsieur, sur l'Ukraine, une interruption. Ah ok. Mais je vais trop vite en fait. Sophia Amaral, la spécialiste en interne des chronos de Monarque. Elle doit être au courant des mêmes choses que Will. Le pistolet rafale. Oh
Ah oh, putain, ce tir qui foire. C'est en dessous, cette caméra de merde là. Pas y bouger. Désolé, hein. Il faut que je pense à mettre cette putain d'arme. Sophia Amaral, la spécialiste en interne des chronos de Monarque. Elle doit être au courant des mêmes choses que Will. On va me faire voir deux fois, on va attendre. C'est ce type de l'université. Joyce, tu peux pas. Putain, il est où ce connard quand je tire la première fois? On va y arriver. C'est lui qu'il faut que je tue en premier en fait. Spécialiste en interne des chronos monarques. Elle doit être au courant des mêmes choses que lui. Je suis le docteur Sophia Amaral. Au cours des 6 dernières années, où est-ce qu'il est, le mec?
l'université. Il me faut des munitions. Faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Je m'y fais pas avec les boutons, désolé. Hein. Je m'y ferai toujours pas. C'est quoi ça? Il n'y a plus une seule munition? Putain, avec tout ce que j'ai tiré dessus. Il faut que j'aille. Dessus, cool. Sympa comme ascenseur. Bravo. Jack, j'ai trouvé des documents sur une sorte de gala privé organisé par Monarch ce soir. Ce soir, je sais. Après tout ce qui s'est passé. Ça a un rapport avec leur futur plan. Seren va faire un discours et tout le gratin est convié. Les gros bons de Monarch, les plus grands scientifiques et même le maire de Riverport. Ce qui m'amène à poser la question. Pourquoi maintenant? Je sais pas, mais je compte bien le découvrir. Alors, fallait où? Là-bas ou là? C'est bon. Et merde, je suis tombé. Oh putain, quel con. Là, je suis un abruti, là. Où je suis? Ah non, bah non. Ok, j'attribuerai cette là, mais je dois pouvoir sortir de là. Bah là. Je ne vais pas sauter. En fait, ouais, je peux passer du bon côté, en fait, c'est pour ça. À quoi ça sert de monter là si je peux pas continuer? Bizarre, il y avait un truc rouge. Ok, je me rapproche, je crois. Bon, c'est par où la cale sèche? Bah saute, petit con. J'ai toujours la mallette qu'on a volée dans la caisse de William Joyce. J'ai vidé son contenu dans le préfabriqué. Tu veux que j'y jette un œil? Non, non. Seren va être le premier à regarder. D'ici là, touche à rien. Ok. Où est-ce qu'on va? Ah là, on pique la voiture? Cool. Bonjour. On dirait que le courant est revenu dans le préfabriqué. Les hommes de Paul avaient récupéré la mallette de Will dans sa voiture et vidé son contenu sur la table. Ouais, mais quelle table? Will avait dit avoir besoin de quelque chose dans sa mallette pour empêcher la fracture. Elle contenait pas grand-chose, à part son téléphone et la clé de la piscine Bradbury. Pas très parlant comme indice. Jack, c'est Bess. Monarch vient de filmer votre ami en train de fouiner dans des fichiers ultra-confidentiels de la compagnie.
c'est vraiment une très mauvaise idée. Amy, je dois aller la chercher. Non, je m'en occupe. Ah bon? Où êtes-vous? Je suis en chemin pour retrouver Paul au Calsèche. Sirène n'est pas la priorité. Je vais vous sortir de là. Je vous retrouve au Calsèche. Monarque communique sur le canal 1. Utilisez-le pour anticiper leurs actions. Et Jack, ne faites rien de stupide. Ah, ça me dit quoi, merci ça? De votre confiance. On est stupide, tout le monde sait que je faisais des trucs stupides d'habitude. Donc je suppose que c'est là. Ok, donc. Oh merde. Ça va être long, donc on va couper pour ce moment-là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous voulez, à vous abonner. Et puis à la prochaine vidéo. Je vous remercie. Au revoir.